Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, monsieur le directeur, monsieur HU, monsieur le directeur du CAC, monsieur le directeur de l'EPH, messieurs les enseignants, honorable assistance, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à cette honorable assistance, réunie aujourd'hui au niveau de l'Institut, pour lancer les travaux de cette formation ayant pour thème le tutorat. Je tiens à remercier M. le DSP, qui est avec nous depuis 8 heures, mais qui a des obligations professionnelles, ainsi que les directeurs des établissements sanitaires pour leur soutien. Il ne faut pas oublier qu'on n'a jamais eu de problème avec les établissements sanitaires au niveau de la wilaya, que ce soit au niveau de la daïra de Badna ou là au niveau de la wilaya. On a toutes les facilités pour aider la formation, que ce soit des facilités pour nos encadreurs au niveau des services ou là pour nos étudiants pour leur stage. Il faut savoir que la situation actuelle du système de formation se caractérise par des mutations. Les mutations, les humains, le système LMD, c'est-à-dire c'est un système où on n'arrive pas à trouver des solutions pour surtout les stages pratiques. C'est ce qui a poussé la direction et la direction des études pour essayer de trouver des solutions pour ce problème. Il faut encore savoir que le nombre d'enseignants au niveau de l'Institut, ce n'est pas un nombre important qui permet l'encadrement de tous nos étudiants. Les étudiants, on est aux environs de 1000 étudiants au niveau de l'Institut pour les différentes spécialités. C'est ce qui a fait qu'on doit avoir recours à nos amis au niveau des services, nos amis paramédicaux au niveau des services, pour nous aider à prendre en charge nos étudiants. C'est ce qui nous a poussé à puiser dans cet important réservoir pour former des gens, pour essayer de former des gens qui vont nous aider dans la prise en charge de nos étudiants au niveau surtout des terrains de stage. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Je tiens à remercier M. Benassim qui a été pour beaucoup dans le lancement de cette formation. On est en train toujours d'apprendre à côté de lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Je donne la parole à M. Marie, étant le représentant de M. le DSP. Merci M. Mazar. Pour ma part, en directeur d'établissement et professionnel de la santé. Ce programme de formation, malgré qu'il vient un peu en retard, le tutorat, c'est comme le défi en termes, c'est une transmission de compétences et d'expériences. Malheureusement, on s'est pris un peu en retard. À titre d'exemple, pour le centre anti-cancer, en majorité personnel nouvellement recruté et nouvellement formé. On compte au niveau du centre anti-cancer, deux ou trois personnes, c'est-à-dire des anciens paramédicaux qui peuvent prendre en charge vraiment la transmission de l'expérience. On aurait souhaité que ce volet soit pris en charge, mais on peut rattraper. Merci Nana. Puis il y a quelques paramédicaux, les mazales au niveau des établissements, parce qu'il n'y a pas mieux que l'exercice pratique du terrain. Quel bel terrain, on tire vers l'avant, c'est le terrain qui forme, c'est pas la théorie. D'ailleurs, c'est mon point de vue, et c'était le point de vue
d'un des pionniers de cet établissement. M. Madoui Tahimo disait ça. Il prenait des candidats, il les mettait sur le bec, c'est les terrains de stage qui ont formé. Ce sont ces gens-là qui ont fait la santé dans la wilaya pendant une quarantaine d'années, ce n'est pas plus. Alors, l'école paramédicale en bouleversie, donc on a bien pensé à prendre en charge ce volet. Hein? Alors, Awas Rigal est là, M. Jinnan il est là, M. Benassine est de retour parmi nous, et d'autres personnes, ressources, surtout dans le domaine pratique et théorique. Donc c'est des gens de terrain, et c'est des gens qui peuvent apporter un plus dans la pratique au quotidien, parce que au niveau d'un hôpital, j'ai le matériel que vous voulez, tout ce que vous voulez, il y a toujours un petit quelque chose qui manque. Et c'est la compétence et c'est l'expérience. C'est l'expérience qui détermine le moment par l'exercice, par la pratique. Donc, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, qu'il y ait. On facilite la vie à nos praticiens, que ce soit médecin ou la paramédicaux. Je remercie tout l'encadrement de l'école de formation. Nous, on est à votre entière disposition au niveau des établissements de santé. Ce directeur de la santé était parmi nous ce matin. Il aurait souhaité dire un mot. Je pense qu'il est un professionnel de la santé. Il aurait dit la même chose. Et j'espère qu'on se complémentarisera sur le terrain et à travers l'Institut, et on est à votre entière disposition de tout point de vue. Voilà. Monsieur Dupont. Merci, monsieur Mathieu. Donc, c'est la fin de la rime. La première chose que je veux dire, c'est l'idée du tuteur qu'est l'Institut par le fait de Bâle. Il y a une année de ça, avec M. Mesmassa, on a eu une réunion à la directrice de la formation. Je vois pas, j'ai. Fibatna. Le problème de la formation, surtout pratique. Ou le dire l'idée à tuteur. Bon, c'est quelque chose de bien. Le problème qui se pose, donc on est gestionnaire au niveau d'un EPH, le problème qui se pose, surtout, il ne se pose pas avec les ISP, il se pose avec les aides-soignants. Il se pose avec les aides-soignants. Côté pratique, vu que les annexes sont dispersées au niveau du territoire de Wilaya, l'encadrement joue un axe. Je souhaiterais bien que M. Mesmassa et toute l'équipe de l'Institut prendra en charge cette difficulté. C'est-à-dire, on va former des tuteurs au niveau des instituts, des annexes. Puisqu'il y a des annexes qui ont une école qui est en classe. Alors, en principe, il y a je ne sais pas, des stages pratiques pendant une quinzaine de jours dans un CHU, dans un hôpital général. Pour parler du problème. Bon, pour les ISP, on a fait la ville de Batna, en principe, on n'a pas de problème, assez, beaucoup de problèmes. On n'a pas beaucoup de problèmes. Côté théorie, on a fait que les instituts, ce sont des bacheliers à moyenne 13-14, là. Donc l'assimilation terme, théoriquement, c'est ma salle, à peu près, c'est ma kaina. Mais côté pratique, je suis un axa. Mais avec l'idée de l'équipe de l'institut,
برب ان شاء الله يكون في المستقبل يكون دفعات احسن من اللي تخرجوك سابقا ان شاء الله. ونشكر سي بن حسين اللي راهو ديما معنا وتوت ليكيب ديال الانستيتيو. هذه اللي بغيت نقولها برك يعني سيرتو ماذا بيا باش ما نلقاو طريقه اخرى ل لا فورماسيون باتيك des ISP, des étudiants en général, c'est-à-dire qu'il y a à 8h du matin, le stage il dort à 9h, il y a à 9h les établissements de santé, il y a 11h les jeux chargés. Je vous dis, c'est... La plupart, il y a un point. La plupart, il y a un point. Mais, parce que là, l'établissement, je suis un petit peu humide, les gens, par exemple, je connais la réforme et je n'ai pas de si c'est bien, le grand hôpital, c'est le CHU. Le CHU, vous avez des services, l'activité des services, les services des services, vous avez la réforme et que les chefs de service ou les infirmiers de service, c'est pas de garde la tienne. Mais pour nous, je mets les infirmiers, je suis moi. Je préfère que je me donne une autre idée avec M. Mzmaza et Madame, la directrice des études, et toute l'équipe de l'Institut, une autre idée, une autre méthode pour améliorer la pratique, surtout la pratique. Et je vous remercie bien. À tout le monde. Monsieur le nom. Je salue mon frère et mon ami Benassi. On a travaillé ensemble durant les années 90 et vraiment il y a un chevalier et il répondait favorablement à chaque fois où on sollicite un besoin. Je vous remercie encore une fois pour alhamdulillah tlaqina ala khair inchallah. Et qui me concerne la formation c'est une action. En principe, elle est obligatoire pour tout le monde, n'importe quel grade qu'il a, parce qu'on a toujours besoin d'évaluer notre connaissance, de perfectionner notre connaissance. Donc, ma fiche insane qui dit c'est un besoin parce que la technologie, donc les connaissances, on doit les actualiser à chaque fois. Où c'est possible. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, vu que moi, je suis gestionnaire. Pour moi, le côté formation, je suis un peu éloigné. Donc, moi, quand si nous avons un modèle Mahat Technologie, et chez Patabé, je déclare officiellement l'ouverture de cette journée de formation grande et forte de l'Ajmir. Il y a une thématique de tout à fait les connaissances techniques pour la prise en charge du master. Merci, M. le directeur. Bon, je vais encore à M. Ben Hassine pour discuter du programme. Je ne sais pas si c'est en sur deux jours. Un petit aperçu, M. Ben Hassine. Oui. Salam alaikum. Merci Monsieur le Directeur de l'Institut, merci Monsieur le Directeur des établissements de santé, chers collègues, chers amis, chers invités, je suis toujours très heureux d'être parmi vous. Ouais. Certains nos élèves, d'autres nos collègues, nos amis, d'autres des connaissances. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes rattachés les uns aux autres. Ah, l'hôpital et l'école marbotée. L'école de formée, c'est l'hôpital, ou l'hôpital a besoin aussi d'aider le jeuneur, mais d'aider le jeuneur. Si vous avez la profession. Aujourd'hui, l'Institut a besoin de vous. Il dit, peut-être, vous aurez besoin de l'Institut. Traitons l'Institut. C'est l'Institut qui a besoin de vous. C'est la formation qui a besoin de vous. C'est pour cela qu'on a pris l'initiative de lancer le tutorat AIDA avec quelques appréhensions, mais Inch'Allah, nous allons faire. Parce que c'est difficile, l'organisation de nos hôpitaux, l'organisation de l'Institut, l'environnement chez nous, les moyens, la culture,
عدة أشياء تلعب دور كبير pour qu'on arrive vraiment à atteindre nos objectifs. Inch'Allah, nous allons lire. Le programme, il s'étend normalement sur 3 jours. Nous allons discuter ensemble, d'abord, quels sont les problèmes de la formation, surtout pratiques, ensemble. Nous sommes du terrain, au niveau de l'Institut, nous aurons aussi les étudiants, il y a les formateurs, ou l'étudiant, le premier concerné. Les 3 partenaires, pour trouver une solution. La solution, elle viendra au fur et à mesure, pas tout de suite. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais Inch'Allah, Sirou fait le bon chemin. Donc nous allons débattre ensemble, ensuite nous allons essayer de s'approprier ensemble un certain langage pédagogique qui nous permet de communiquer, bien Bardana, c'est être l'enseignant, elle doit un certain langage pédagogique, le professionnel du terrain, elle doit un autre langage professionnel, il faut qu'on arrive à coordonner ce langage, parce que l'étudiant aussi, il garde. Qui n'a pas de le professionnel du terrain, l'étudiant, il garde. Ensuite, nous allons discuter de vraiment qu'est-ce que c'est la fonction tutorale, où je vois le tutorat, où je vois le tuteur. Quelles sont les capacités du tuteur, la formation du tuteur, le rôle du tuteur, la pédagogie, le tuteur. Donc beaucoup d'éléments qui vont nous aider à devenir enseignants du terrain ou les collègues enseignants de l'Institut de la PAN, qui sont complétés la théorie et la pratique. Ensuite, nous débattrons d'une stratégie. Messieurs les directeurs des hôpitaux ont posé un certain nombre de problèmes de comportement. Quel que soit le temps, quel que soit le problème qui se situe au niveau d'un service, comment s'organiser pour trouver réellement un temps pour s'occuper de nos étudiants. C'est ça l'essentiel. Sinon, mieux formé pour mieux soigner. On ne peut pas améliorer les soins, la qualité des soins, si on n'améliore pas la formation. وانتم تشاهدوا لي ديريكتور سون لاوسي وانتم تعيشوا كنتوا تقراوا ورحتوا بور لو مومون لا روتين تتغلب على لا فورماسيون سو سون 3 جورني اونسويت نكملوا بليفالياسيون التقييم واش قاعدين نقيموا اسكو دروك رانا نقيموا في التكوين اسكو رانا نقيموا في لا كاليتي تاع التكوين اسكو رانا نقيموا الطالب ولا اسكو رانا نقيموا المهنه واش نقيم كيسكو ني طونطران ديفالوي. Donc ensemble, nous allons trouver quels sont les moyens, les instruments qui nous permettent d'évaluer réellement le volet pratique. Ou à la fin, il faut que l'Institut ait une tradition. Nous avons les tuteurs de l'hôpital, ils travaillent régulièrement avec les enseignants de l'Institut. Nous travaillons une fois par mois, une fois tous les 2 mois s'il le faut, mais nous travaillons. وين عندنا واش كوننا واش هما الظروفات واش هما الايجابيات بور الي بلو لوان. هذا هما لي 3 جورني اللي راح نديرو مع بعضنا ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا في المستوى. جمهور ميرسي. مرحبا بكم. فوالا ستادير ils ont dit suffisamment de choses par rapport à la formation. Mais bon, ce que je peux ajouter ici, c'est qu'il y a une certaine liaison qu'on ne peut pas couper. Il y a une certaine liaison qu'on ne peut pas couper entre l'hôpital, entre les professionnels de la santé et les formateurs qui sont ici au niveau du institut. C'est-à-dire qu'on forme, normalement, on forme tout ce qui est théorie, mais la théorie n'a jamais été suffisante pour la formation d'un professionnel de la santé. Ça, normalement, vous le savez. D'accord ? Donc, on a toujours besoin d'un professionnel de la santé, de son expérience sur le terrain pour aider à former ce nouveau, cet étudiant, d'accord ? De lui donner l'exemple, de lui transmettre une certaine compétence, ou une compétence que vous avez déjà acquérie au long de votre travail, de votre vie professionnelle. Tout ce qu'on peut demander, c'est qu'il y ait une certaine complémentarité entre les deux. Comme M. Blessin l'a dit, nous sommes ici, c'est-à-dire nous formons, nous ne sommes pas nombreux, malheureusement. C'est-à-dire même si on forme sur le plan théorique,
ça reste toujours insuffisant sur le plan pratique. Donc on a toujours besoin de personnes, normalement qui ont été déjà formées ici, qui sont passées par le même chemin, d'accord. Donc ils savent que leur aide est vraiment très importante. Pourquoi? Parce qu'ils vont former des gens qui vont être des collègues et qui vont être des soignants, donc à leur tour. Donc c'est très important ce relationnel qu'on doit faire, cette aide qu'on doit avoir entre nous. Voilà. Je vous remercie. Merci madame, monsieur Gilles. Vous êtes des personnes de ressources. Ok, merci monsieur le directeur. Honorable assistance, bonjour. Alors on va essayer de, pour ne pas trop anticiper sur ce qu'on va vous donner. J'essaierai de vous parler d'une chose, il faut que ça soit du sérieux, c'est-à-dire parfois on se retrouve avec un seul nombre et au fil des jours, le nombre commence à se diminuer, à se rétrécir. Donc on aimerait qu'on travaille ensemble, ça va être un accompagnement de notre part. On va essayer de vous donner des grandes lignes, ce qui est le tuteur, comment que vous allez exercer, comment qu'on va exercer ensemble. Et on va vous accompagner, ça c'est tout à fait normal. Lakin, ce qui est important, c'est d'avoir aussi, quand nous arrivons à l'évaluation, on essaiera de discuter ensemble sur les résultats qui seront bien sûr obtenus à la fin. Et on essaiera de mettre tout ça sur le terrain avec des... Probablement, il va y avoir un travail sur le terrain. Et on essaiera, si on a réussi d'abord pour la première tranche de ce séminaire ou de ces journées, et le travail, on va le continuer. Il va y avoir d'autres journées, avec d'autres, peut-être avec un autre groupe. Et on va essayer de tâter le terrain et de voir si vraiment on réussira dans cet examen ou non. On peut parler d'un examen, parce que c'est une première pour Batna, c'est une première pour nous enseignants, et on va essayer de se compléter. Voilà, je vous remercie. Moi, je dirais que c'est une première au niveau national. La formation des tuteurs, c'est une première depuis des années, c'est une première au niveau national. Mlle Boacar. Mlle Boacar, qui est la responsable du groupe de stage. Parce que, pour dire que cette année, on a décidé de créer un bureau spécial stage. Alors, normalement, je suis en train de faire des réformes au niveau, bien sûr, du bureau de stage. Je suis en train de suivre un petit peu les stagiaires sur le plan, bien sûr, de faire une corrélation entre les modules qui sont en cours et avec les terrains de stage. Bon, on a rencontré des problèmes, surtout avec les chefs de service, donc certains problèmes qu'on va essayer de les résoudre. Bon, pour le tutorat, on remercie M. Benhassim qui va nous aider pour, bien sûr, la formation de ces tuteurs. On a besoin de vous, on a besoin, bien sûr, de votre expérience, on a besoin de votre aide énormément pour faire le suivi pédagogique, bien sûr, des stages pratiques qui est le plus important dans la formation. Donc, ce qu'on voit beaucoup plus dans la formation, c'est beaucoup plus le plus important. C'est, en même temps, même dans le nouveau système, bien sûr, LMD, on rencontre, bien sûr, que la note de stage, elle rentre dans tous les... presque dans la majorité, bien sûr, des matières qui sont, bien sûr, de chaque semestre. Donc, on trouve, bien sûr, la note qui rentre dans la moyenne de l'étudiant. Donc là, actuellement, on essaye de faire des évaluations pratiques, mais dorénavant, ce sera bien sûr le tuteur avec le professionnel, bien sûr, qui est ici, avec l'enseignant, qui vont bien sûr travailler ensemble pour dégager une note de, bien sûr, de pratique qui peut être beaucoup plus objective. Donc actuellement, on n'est pas vraiment très objectif dans nos évaluations pratiques. On essaiera dorénavant, bien sûr, avec votre aide, de nous aider dans cette évaluation. Et c'est comme ça qu'on peut voir s'il y a une progression dans la formation pratique de notre étudiant ou non. Donc c'est à partir, bien sûr, de l'acquisition des compétences qu'on peut, bien sûr, essayer de dégager quels sont les problèmes, les vrais problèmes, et essayer d'être beaucoup plus objective dans, bien sûr, l'évaluation pratique de nos étudiants, bien sûr. C'est tout. Je vous remercie énormément. Merci, Mme Boacar. Bon, je donne la parole enfin, Mme Islami, puis je vais redonner la parole à M. Madou pour l'ouverture des trois jours de formation. Bonjour, M. le directeur, les responsables des différents établissements, mes chers collègues et honorables assistants.
Bon, pour ce qui est de cette formation, bon, l'idée, elle y était depuis bien longtemps, l'initiative aussi, elle y est. Et bien sûr, avec la volonté de notre équipe, bien sûr, enseignante, avec le leader, M. Ben Hissin, notre ex-directeur, qui est toujours présent pour n'importe quelle activité. Il suffit qu'on lui demande, qu'on fait appel à lui, il est toujours là. Bien sûr, il y a une chose que je dois vous dire, c'est grâce à M. Ben Hissin que cette organisation, cette formation est liée aujourd'hui, parce que c'est lui qui a fait le programme, les différentes communications que vous allez recevoir. Et tout ça, c'est notre seul but, c'est bien sûr l'accompagnement de nos stagiaires au niveau, bien sûr, des différents terrains de, bien sûr, de hospitalier. Et justement, notre seul souci, c'est d'obtenir, bien sûr, la qualité des soins et d'obtenir, bien sûr, en fin de cursus de formation, au moins plus de 50%. Bien sûr, de formation pratique qui est acquise. Parce que là, actuellement, on est bien sûr centré, là, on traite beaucoup plus sur le côté bien sûr théorique. Pourquoi ? Pas par négligence, non, on néglige pas la formation pratique. Mais avec le peu d'enseignants, parce que l'équipe enseignante, elle commence de plus en plus à diminuer, avec l'effectif immense des étudiants, c'est-à-dire on n'a pas le temps, on n'arrive pas à encadrer nos étudiants, comme avant, auparavant, on était nombreux et on n'avait pas assez d'étudiants. Le matin, je me rappelle, le matin, quand on arrive ici, on ne trouve aucun enseignant au niveau de l'école. C'est tout le monde qui est au niveau des terrains de stage avec les étudiants. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait quand même encadrer. Mais là, maintenant, actuellement, c'est impossible. Il y a des enseignants, non seulement la gestion des groupes, ils enseignent le matin, ils sont programmés aussi l'après-midi, impossible d'aller sur le terrain. Mais là, avec votre aide, vous, nos professionnels de la santé, les infirmiers de proximité, bon, qui étaient là auparavant, les temps passés, là maintenant, on a besoin de vous pour nous aider à encadrer nos stagiaires, à essayer de leur transmettre votre... expérience, quelle que soit le bon, même si elle est minime, parce que je vois ici des professionnels qui ont que 2 ou 3 ans, là, une année depuis qu'ils sont sortis, mais quand même, on a confiance en vous, et ensemble, je pense qu'on arrivera à obtenir ce qu'on cherche, bien sûr, ce qu'on attend de vous. Et bien sûr, nos étudiants, ils ont de la chance de vous avoir, et de nous avoir aussi. Bien sûr, on fait, comme elle a dit, Madame Abdelaziz, M. Ben Hissin, c'est une liaison, on peut pas, c'est une chaîne qu'on ne peut pas, bien sûr, les souder. Elle est soudée, elle, la chaîne, il ne faut pas la rompre. Et merci encore. Merci. M. Madui. Bon, après tout ce que vous aviez dit, chers collègues, professionnels de la santé. Tout d'abord, je tenais à compléter une chose. Il faut recenser toutes les personnes de ressources à travers la wilaya, parce que faut pas prendre maintenant comme exemple. On souffre ailleurs. Les daïras de la wilaya, on souffre. Et puis, à deux volets, madame, il a été mis sur la table. Là, on fera de la sorte qu'il soit institutionnalisé. Les tuteurs, qui vont être d'ailleurs, je vous remercie de vous dire ça, le prochain briefing, M. Zamazan, ou là, qui veut la formation, Ali. Et puis, c'est l'imprimation, peut-être quand Ferra, c'est mieux, je viens de lire le dépliant, et on s'imprime. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait pour les établissements internes. Et puis, un des tuteurs, ça va être dans toute la wilaya. Il faut recenser d'abord, il faut demander au directeur, il faut qu'il prenne un peu conscience, certains directeurs, ils prennent conscience que le capital expérience, au moins, tu bouges l'école, voilà. C'est la vie, c'est le terrain.
le capital expérience, il faut que Kimel Do, la GL de la santé, il faut que quand même, oui bien sûr, avec bien, les nouvelles méthodes, avec les nouvelles techniques, avec tout ce qu'on a. Et puis même malgré les jeunes qui vont monter, ils vont faire de la sorte. La retransmission, mais le tutorat, ça ne va pas être dans un établissement de santé, c'est des centaines de paramédicaux qui exercent, on ne peut pas mettre tout le monde tuteur, mais les gens qui ont le profil, ils sont engagés, on va essayer d'exposer ça au niveau local, et puis faire monter à l'échelle ministérielle, institutionnalisé comme dans tous les pays du monde, pas uniquement en Algérie, le tutorat ça existe en France, ça existe dans les facultés de médecine et dans les écoles de formation paramédicale. C'est-à-dire la personne, elle a un groupe de stagiaires, elle s'occupe, elle est leur tuteur. Par les journées de formation ouvertes, et bonne réussite à tous les efforts que vous êtes en train de faire. Que ce soit pour les professionnels, c'est des professionnels, ce n'est pas des étudiants, et pour l'encadrement de l'Institut. Merci. Merci. Et à la prochaine. Merci. Merci. Bon, maintenant, on va vous laisser travailler. Bon, moi, j'aurai des rencontres avec les tuteurs au niveau des différents ateliers, pour des ateliers. Pour discuter d'autres avantages que l'Institut va présenter à nos tuteurs. Merci. Nous sommes une équipe de l'Institut. Nous sommes une équipe d'un groupe monastère. Les animateurs de cette formation. Ça veut dire que nous sommes tous les groupes. واش هو كاين واحد عنده شويه اختصاص في بعض المواضيع اللي دخل فيها مباشره. الشيء اللي لازم كنت فاهموا عليه النقطه الاساسيه علاش هذا التكوين تاع التدور. سبيدر سبيدر ناقشنا شويه خطاب على الاستلام على المسؤولين سي ان بو ترو دو ديسكور مي دروك في الميدان نهضروا في الميدان. نورمالمون نعتبروه ضيف يحس لازم الطالب تاعنا كيعود رايح للسيرفيس دو ميتين كيوصل يحس باللي راهم يستناو فيه او موا ستادير هذا كان تويتر بليس نورمالمون ليكيب اي انفورمي او موا باش سلوي دون انكور لا موتيفاسيون سا دون سلوي دون سا لو بوس ا سانتيغري مع ليكيب ا ترافي افيك ليكيب ا شيرشي ا بروندر الى اخره دونك نحاولوا نتحملوا المسؤوليه مع بعضنا بيان سور le plan d'accueil, etc. C'est un chapitre que nous allons voir ensemble, c'est une séquence, nous travaillons sur le plan d'accueil, la stratégie d'encadrement. Tout ça. Mais si vous avez la présence, c'est un programme, c'est un programme. Ce qu'on appelle les objectifs, les compétences, tel acte, les étudiants. Vous pouvez, surtout en tant que responsable, قال مع لي ستاجير اللي تم قال غدوه الصباح تل اكت ولا تل سوا ولا تل تكنيك انا نخليوها جوست ما نعطيكش عليك شونس باش نعطيك عليك شونس على بالنا مي قال يا باغفوا كي بوف دي شونس كي دي زان كي بوف اتاك ديفيري دونك قال هذه انا نخدم دونك على نافير ولا 8 30 ولا نافير تكون هنا اون با براتيكي هذا يا توجور دي سوليسيون يسوفي دو اون بون جيستيون Trois chefs de service.
C'est un ensemble de connaissances. C'est le moyen de savoir. Donnez votre propre définition et de votre le stage, c'est l'exercice des connaissances de manière théorique. C'est l'application de la théorie que ce qu'on fait. C'est une application pour apprendre tout ce qui est donné par un tuteur. Simon,
Alors, on a un groupe A et groupe 2, c'est ce groupe derrière la formation. C'est l'ensemble de connaissances. Le projet, c'est l'ensemble des aidés pour déterminer un but. L'organisation du soin, une bonne démarche. Être compétent, c'est l'expérience professionnelle, bonne pratique professionnelle. Avoir des compétences, c'est l'exercice sur le terrain. Tutorat, ce qui est responsable à la formation pratique. Tuteur, c'est l'encadrement. On a dit le stage. C'est une formation pratique sur terrain. L'apprentissage, avoir des connaissances théoriques et pratiques. L'encadrement, c'est l'action de diriger les stagiaires. Le traçador, Sabor. La formation. Sabor. Au revoir. La formation. Former, c'est faire apprendre à quelqu'un une information bien utile, afin qu'il devienne un professionnel. Un projet, c'est une idée à réaliser ou bien un but à atteindre, il est bien précisé. Une organisation des soins, c'est la planification, la répartition des soins. Être compétent, c'est maîtriser un métier sur les deux plans, théorique et pratique. Donc, être compétent égale à savoir-faire. Avoir des compétences, c'est apprendre des connaissances à partir d'une expérience. Tutorat, c'est une organisation pédagogique au but de former des tuteurs. Le tuteur, c'est la personne qui réalise le tutorat du profil. Un stage, c'est une formation s'entraîner sur le plan pratique dans une période bien définie. L'apprentissage, c'est appuyer les connaissances. L'encadrement, c'est l'orientation et la formation du stagiaire. Merci beaucoup. Il y a un groupe qui est un cursus de formation pratique et théorique. Il y a un groupe qui est un ensemble de connaissances. Il y a un groupe qui est l'apprentissage de l'information sur le terrain. Et l'application de l'information sur le terrain. Je te gagne trois. Donc, l'enseignant qui a donné la tuteurie ferme. Le tuteur qui a de mal l'étudiant est clair, ou l'étudiant qui a de mal l'enseignant est clair. C'est le seul moyen de se produire maintenant. Quand on a le projet, presque tout ce qu'il fait. Très bien, c'est une idée, c'est un but, un plan de travail, etc. C'est à peu près. Parce qu'on se tient au compte du projet, projet FDAR, projet libre. Donc c'est une idée fixe, effectivement, c'est bon. Il y a une idée là. Maintenant, l'organisation des soins. Qu'est-ce qu'il y a aussi des mesures à prendre, etc. Qu'est-ce qu'il y a aux démarches ou qu'est-ce qu'il y a aux planifications des soins. Déjà, il faut craquer, là. Au chef neuf tutorat, on va les développer. Alors, être compétent et avoir des compétences. En Italie, presque, je dirais presque tout le monde est à côté. Quand il faut que bien, il les amène à moi bien. Parce que nous retournons des œuvres pour le cas d'accord, il est compétent. Il n'est pas compétent, je m'en ai pas. Donc, il est en train de nous faire. Sinon, c'est difficile de dire à quelqu'un, il est compétent. Il possède des compétences. Ça, avoir des compétences, c'est facile. Il a des connaissances médicales, des connaissances techniques. Une maîtrise telle chose, donc il maîtrise un savoir-faire. Mais être compétent. Être compétent, il faut faire que nous avons les capacités nécessaires
dans une situation de contrainte, dans une situation difficile, il arrive à un résultat en mobilisant tout ce qu'il a. C'est un accès. Alors, si on appelle quelqu'un qui a une virouze à IMA, رغم الصعوبات رغم العراقيل اكسترا يقدر يجند كل الموارد البشريه وماديه الى اخره ويوصل للعلم voilà quelqu'un qui est compétent qui qu'on appelle être compétent on verra en détail tout ça bon stage ثاني stage encadrement apprentissage هذه ثاني في شويه تنقودات لازم نوضحها الستاج Juste mettre le stage, c'est d'abord un temps et un lieu. Le stage, وقت ومكان. D'abord le stage. روح نسمي لك 11 médecine. Ça c'est un temps et un lieu. Qui fait une sphère de lieu en utilisant le temps. Alors, on voulait un stage. C'est un endroit X, la personne qui est le lieu, le temps est là pour le donner stagiaire. كي يخرج من المكان على 11 ونص يني بلو ستاجير انسويت لونكادرمون سي تعطير تعطير لونكادرمون سي سي توت اون بيداغوجي اللي راح نديفلوبيوها مع بعضنا اللي لازم ثاني نتحكموا فيها سي با نيمبورت كي يونكادر سي با نيمبورت كي يمر دونفا سي با نيمبورت كي يونسيو كيما يقول واحد يقول لك يصبر Il ne suffit pas de savoir lire pour dire je vais apprendre à quelqu'un à lire. Là, je ne sais pas si je suis capable de me faire un peu. Tu es un bon infirmier, mais ça, tu ne peux pas transmettre à quelqu'un qui ne sait pas. Il faut avoir la maîtrise, la pédagogie, la paix. L'apprentissage aussi, c'est l'apprentissage. C'est le processus. Tout un processus qui fait. يجي عندي كيلكان من السيرفيس محتاجني فور ان ابرونتيساج ننظمه له نورغانيزي له لابرونتيساج تاعو تدريجيا حتى يوصل من اللي كان زيرو يولي 10 من اللي كان حتى ما يعرفش واش هو انسيرين يعود يعرفها ويمانيكليها بك لي ريك تاعها بك القواعد تاعها ويخدمها وينحيها ويشتري فيها اكثر ستاجير سي تو سو بروسيسيس اللي لازم نتحكم في هذا بور كو جو بويس لو ترانسميت راكي هذا اللي صعيب تاعنا اي ديفيسيل باسكو تمهين كيما يقولوا العرب تمهين هو صعيب سي كوم كيلكان كي في اون انترفونسيون شيروجيكال اللي يتحكم في البروسيسيس كامل من البدايه من لا بيريود بري اوبيراتوار جيسكو سوار بوست اوبيراتوار Il réussit convenablement dans le temps voulu avec les moyens qu'il a, où il tient le mari. Parce qu'il maîtrise le processus. Mais celui qui ne maîtrise pas le processus, il te l'a demandé, ou il a donné le champ opératoire, il n'est même pas désinfecté, ou il a le bistouri, il a le zimé, ou il a le serre, il a le chibus, etc. Il a le bloc avec une infection. ونقول لهم تقابلوا سي لانفيرمير كي في لانفيكسيون عاشي لو شيروجيان المريض في العودي بعد 5 ايام ولا 4 ايام يخرج هذاك ما نعرفوش هو ما كاين اوتر انفيكسيون الى اخره باسكو نو ميتيزو با لو بروسيسوس لا ميم شوز في لابرونتيساج كونت اون ميتيز لو بروسيسوس لابرونتيساج يجي ديسيرت كونت لي لاب يسي بلي قبل ما ندير لانزيكسيون il me faut d'abord passer par 1 ومن بعد 2 ومن بعد 3 les étapes. C'est les étapes. Qui est-ce qu'on a sauté une fois, on va le regarder. Mais sauté un jour. La sauté ça, on le chiffre, c'est le processus. Alors, je suis un jeune homme. Donc, il y a à peu près en gros, nous allons ensemble, M. Bouhouira, il va vous exposer les définitions, et vous allez voir, mais dans le fond, c'est-à-dire chevaux. Nous allons laisser la parole à M. Bouhouira. Il va vous exposer la définition des concepts. Bon. Donc, quel est le médicament, quel est le médicament, je passe le médicament, mais les autres, c'est bon, c'est un cas. Exprès, là, c'est exprès. Donc, tout au rang, mais qui fait du coup, parlons le même langage. Parlons le même langage,
Ça veut dire que ça fait partie de notre communication. Donc, s'il y a une mauvaise communication, GIS. Bon, le dernier exercice, ce n'est pas pour Noé ou pour je m'appelle Cheikh, c'est juste pour savoir est-ce qu'on réellement on parle le même langage. Donc, on va commencer par justement les définitions des différents concepts. On commence par le concept formation. Qu'est-ce que ça veut dire formation? Ouais, il peut, il fera à sa façon. Ça peut que, ouais, il fera à sa façon. C'est juste, bien sûr, à sa façon, mais de telle manière à ce que, comme nous venons, les étudiants, tout le monde. Donc, la formation est un moyen d'acquérir des savoirs. Une formation, je me forme pour avoir des savoirs. Des savoirs faire et savoir être. De manière que me dit le Bétel Cheikh, la question se pose, est-ce qu'il est formé ou le Khoïn est déformé? Ça, la question se pose. Donc, savoir faire et savoir être, qui permettent à l'individu de s'insérer socialement et professionnellement. Surtout, parlons de l'identité professionnelle. Donc, si on travaille à l'hôpital ou on travaille dans un établissement de soins, on est devenu professionnel. On est mouchkima, c'est un docteur, mais un docteur à la table, même les soins ou même les établissements. Qu'est-ce qu'un projet? Un projet, c'est projeter quelque chose dans le futur. Avoir une idée, penser et mettre. Peut-être on peut réaliser comme on ne peut pas réaliser. La notion de projet recouvre l'idée d'avenir, d'aller de l'avant, de la chose à réaliser. Donc, le tutorat, ça veut dire que tout le monde doit mettre en place des objectifs imposés chez un ou l'étudiant terminal. Nous sommes d'un point. Un projet né dès que ça peut le vouloir d'atteindre un but. Ça, c'est très important. Si, par exemple, on se fixe un projet, blâme un but dans les slow, tu veux mettre une autre. Qu'est-ce qu'un projet? Deux. Définition. Un projet est l'ensemble des réalisations conduites par différents acteurs afin d'atteindre au moment voulu un but fixé préalablement. Donc un projet, c'est mettre un but, un objectif en tête, et là on commence à établir notre projet pour atteindre justement cet objectif ou ce but. Absolument, M. Gourmet. Oui. Parce que sinon, c'est où je vais. Alors, entre formation ou projet. La formation, tout le monde. Pour qu'on fait un public, c'est acquérir des connaissances, des savoirs. Allez, beaucoup de feedback, là c'est ça. Acquérir des connaissances, acquérir des savoirs. Mais je n'adore pas le droit. Le projet, je vous le projet, le Kanesou, il y a avec des centaines de définitions. Un projet, project en anglais, un but, une idée, non, c'est quelque chose. Mais là pour eux, surtout à l'hôpital, nous travaillons en équipe. Il ne faut jamais l'oublier. On ne travaille pas individuellement. Donc tout projet, toute idée doit avoir au moins l'adhésion de tous. Sinon, il y a un but de soigner le malade, Marachin soigne Wahid. Un but d'encadrer les élèves, Marachin encadrer Wahid. Donc laisse-moi faire un mot d'abord le sens. L'idée, elle est bonne, le but il peut être bon, mais aussi si on ne fait pas adhérer tout le monde, mais il dèche le projet. Surtout chez nous. Surtout chez nous. Ah, c'est l'équipe. Tout passe par l'équipe. Rien ne se fait sans l'équipe. Donc le projet doit être un projet d'équipe. À l'institut, le projet pédagogique, il ne peut pas y avoir de projet pédagogique à l'institut s'il n'y a pas d'abord adhésion de tous les enseignants et les étudiants. Il n'y aura jamais. Et plus le personnel aussi.
qui travaillent là. Parce que c'est du support, c'est-à-dire. Parce que le directeur des études, on a le dirigeant un projet ouedo, il ne réussira jamais, il est qu'à l'âge, je n'accepte pas. C'est-à-dire, je n'ai jamais une seule. Projet égal, équipe égale, adhérer. Qui dit comme un bachelor ou tuteur, qui dit comme l'étudiant stage, zut, vous allez être deux. L'étudiant et le tuteur. Plus l'enseignant qui est là. Mais sur le terrain, tuteur et l'étudiant. Les mêmes. Nous savons ce que tu veux, je vais le faire. Essentiel. A deux. Même que nous, je vais le faire. Non. Nous savons ce que tu veux. Premièrement, d'abord, quels sont tes besoins? Alors ça, bien sûr. Quelqu'un qui a fait l'injection intramusculaire ou quelqu'un a fait le service terrain, mais on peut dire aussi que l'injection intramusculaire. On a dit le pansement. L'injection intramusculaire, le besoin de la cadet, programmer objectif, on va dire ailleurs qu'il y a un autre service. Alors, peut-être qu'il y a fait l'injection. Donc il faut deux. Toujours deux. Donc, on a équipe. Un projet, ça commence à partir de l'idée, dès qu'il commence le deuxième aussi. Allez-y, monsieur Boré. Donc, je m'explique. Donc, j'ajoute toujours, d'ailleurs, sur lequel nous sommes en train de le projet d'établissement, le projet médical, le projet de soins. Hein, donc, tous ces des projets qui me déchirent. Un projet, on ne peut pas le faire tout seul. Mais quel chef? Donc, un projet, donc, on doit un chef, le responsable. Il a son mot à dire, et l'exécutant, il a son mot à dire. Mais sur un stagiaire, nous allons dire, il est un acte. Mais tout le monde est pour dire, il est un acte, il est pour dire. Je vais l'écouter. Peut-être qu'il y a des lacunes, quelque part. Je dois le former, ça. Ça c'est sûr. Donc, ça c'est pour le projet. L'organisation. Qui dit organisation, ça veut dire organiser. Rien ne marche sans organisation. Il y a tout. Donc il y a une désorganisation, comme j'ai dit, à la manière dont un État, une administration ou un service sont organisés. Ça concerne beaucoup plus, non seulement les responsables des services, mais tout le monde est concerné. Tout le monde adhère à l'organisation. L'organisation est un système, ce qui signifie que l'on puisse la repérer comme une entité distincte dans l'environnement. Donc, vous savez que chez un hôpital, il y a plusieurs services. Chaque service a sa façon d'organiser le travail, le secrétaire ou la gestion. Et cette organisation regroupe l'ensemble des individus dont les activités sont orientées vers un but explicite et bien précis. Voilà. Ils sont organisés hiérarchiquement, équipe, individu, responsable, etc. Donc tout le monde est concerné. Mais ce qui va nous appeler ici, c'est qui regroupe beaucoup d'individus, c'est-à-dire votre équipe, qui regroupe l'équipe, ou surtout la suite. C'est l'organisation des soins. Nous allons passer à l'organisation des soins. C'est tout ce qui nous concerne. Alors, en soins. L'organisation des soins consiste en la planification du soin selon les contraintes du temps, les interventions des autres professionnels, l'état de santé des patients et les autres soins que l'on doit réaliser. Donc, tout ça, c'est ce genre de contraintes qu'on doit organiser et gérer. Il s'agit d'organiser son plan de travail, de préparer son matériel de façon à faciliter le déroulement du jour. Donc, il y a vraiment du soin. Bon, c'est sûr, les soins sont répartis au cours de la journée. Donc, c'est toujours, on parle d'organisation des soins. Voir nos étudiants, il y a des. Dans l'organisation du soin, c'est toute une philosophie. On va pas la régler, l'organisation du soin. Mais ça,
à notre niveau, alors, quand vous êtes tuteur sur le terrain, avec le groupe d'élèves, quand vous parlez organisation du soin, ne parlez jamais organisation du service. Hein? Je me dis rouge confusion. Qu'il y a l'organisation du service, du soin, ou qu'il y a l'organisation du soin. C'est-à-dire, parce que quand il y a un travail, lorsque vous allez faire une action de soin, elle passe par un ensemble d'éléments, par un processus, pour que tu aboutis à ton soin. Mais cette organisation de soin rentre dans l'organisation du service. Donc il faut tenir compte du temps, du personnel qui est présent, de son emploi du temps, des moyens qu'il y a, il a. Parce qu'en tant que tuteur, vous êtes appelé à choisir un autre tuteur avec vous, puis waqtna. Gelbiumana a un objectif, la transfusion sanguine. Bussah, à 10h, Fatim Zahra, a une ponction lombaire. Qu'est-ce que je vais faire? Les besoins de mes élèves sont les deux. Mais fonctionnant bien, donc il faut que je tienne compte de Fatim Zahra Hadik, l'Iya, M'soula la fonction lombaire. Comment je rentre en contact avec elle? Comment je m'organise avec mes étudiants pour faire la transfusion sanguine et en même temps, à 11h, les mihdra la fonction lombaire. Les instituts, c'est un économique. S'il y a un groupe d'élèves qui est obligé de rester jusqu'à midi pour un objectif, les gens vont faire le chorot, les gens vont faire le gda et le gda, on va mettre le chauffeur spécial, il y a tel service, il y a un groupe du bois de marche. Parce que ça fait partie de ma planification. Mais si la pension lombaire n'est pas bien planifiée, elle va être qu'il existe. L'élève ne chauffe pas. L'objectif m'a réalisé. Oui, pour être traîné dans l'évaluation pratique, on a fait des objectifs directs. La fonction lombaire, et vous dites, je vous le dis. Je vous le dis. Si, on a planifié pour le dire. On a choisi les médailles, je vous le dis. Donc, c'est pour cela. Hadali, notre organisation du soin. Et l'organisation du service. On va la détailler encore en détail. Là, il y a le diagnostic infirmier, etc. Mademoiselle, pour faire ça, il faut que dans notre tête, on soit planifié. Mais on n'est pas encore planifié dans notre tête. Allez, allez. Bon, soit, maintenant on parle de midi. Ensemble des situations de soins qui marginalisent, qu'on puisse associer de ressources, connaissances, savoir-faire et des temps de raisonnement. Peut-être que je sorte sur l'occasion, il y a vraiment une compétence. La compétence, c'est ce qu'on appelle l'analyse des résolutions d'une situation, bien que technique. Donc, elle a des compétences distinguées, avoir des compétences. J'ai une méthode de raisonner. Hein? J'ai une méthode de raisonner. Avoir des méthodes de raisonnement. C'est-à-dire, face à une situation donnée, ce qu'on a dit, on a dit, une méthode, face à une situation donnée, tout de suite, j'analyse et je réagis. Analyse la résolution de cette situation. On a une réagir. De cache. Pourquoi? Parce qu'on ne raisonne pas. Elle est très pourquoi est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire à un d'abord avant d'appeler un autre? Mais si je ne raisonne pas, peut-être que je n'ai pas besoin du médecin. N'goul, il a vomi parce que je lui ai fait une cure de chimiothérapie. Le vomissement fait partie des interférences du produit. Mais il fait partie du produit. C'est un effet connu. Qui dit que la chimiothérapie est très bien. Il est connu. Si je raisonne comme ça, je n'ai pas besoin d'appeler le médecin. Donc, compétence, c'est distinguer, avoir des compétences et être, bien sûr, compétent. Avoir des compétences, ça posséder un savoir médical, scientifique et technique. Ce que je reviens, les connaissances.
connaissance et un savoir. Un savoir avec la déontologie et l'éthique médicale. Avoir des compétences. Vous savez pourquoi on a voulu que vous le définissez avec vous. Les programmes de formation, il y a la formation par compétence. Maintenant, le profil forme un profil moyen. C'est-à-dire, il a fait dans le verre, il a fait des perfusions, il exécute les prescriptions médicales. Il y a la formation. Ni plus ni moins. Être un exécutant des prescriptions médicales. Ça, c'est un peu le rôle conduit à tenir, rigido, gardo, etc. Aujourd'hui, là, les choses ont changé. On parle de compétences, c'est-à-dire, par exemple, les infirmiers, vous avez le programme, et comme à la fin du cursus, 10 compétences à atteindre. Mais je te dis un bon infirmier. Et comme X compétences pour la sage-femme, pour qu'elle soit une bonne sage-femme. Les compétences, théorique et pratique. Nous allons aider l'étudiant à atteindre ses compétences. Nous allons l'aider. Nous avons les compétences techniques, mais début d'année. Alors, qui nous avons les compétences, qu'est-ce que ça veut dire avoir des compétences? Oui, tu as ce que ça veut dire être compétent. Avoir des compétences, c'est avoir d'abord des connaissances scientifiques. Les mecs, tu as le choix, la jaune, la bio, l'anatomie, la physiologie, etc. Les mecs, tu as un savoir-être parce que nous nous comportons avec des hommes, des êtres humains, avec une équipe, avec des personnes. Les mecs, tu as le savoir-être. وحنا راح نطوروه مهنيا ان سافوار اتر اللي يتماشى مع لا بروفيسيون سي صعيب سي با فاسيل سي با فاسيل ديسكوتي افيك دو مالاد سا فو با دير نهضر معاهم دو لا ميم فاسون كل واحد مكومينيكي معاه ديفيرون واحد نيرفي واحد موش نيرفي واحد يقبل المرض واحد ما يقبلش المرض واحد يقبل الدواء واحد ما يمنش في الدواء واحد المهم فوالا سي ديريكت دونك il nous faut aussi l'aider à acquérir un savoir-être en même temps pour former sa personnalité. Et l'infirmière, la sage-femme, etc., le laborant des il faut qu'il ait sa personnalité. Chaque situ, le nihénir. Qui chauffe une infirmière, nous payons madame en tant qu'infirmière. Qui chauffe une sage-femme, kiff, pour la X-Maigré. C'est grave, c'est très grave. Celui qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est la dignité de l'être humain, la liberté de l'être humain, le respect de l'être humain, la morale, les principes, l'humanisation, c'est quoi? C'est très intéressant, c'est très important. Et comme vous voyez ici aussi, le schéma est là, vous voyez la forme intérieure du schéma, c'est comme un engrenage. Donc si on est là, maintenant il y a une chose. Donc c'est un avant, une chose. Est-ce qu'il faut nous inviter à dire une chose? Donc le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Il ne faut pas oublier ça. Être compétent, c'est mettre en œuvre une pratique professionnelle pertinente en réponse aux exigences et contraintes particulières de situations mobilisant diverses. Donc, Timagouna, si on reprend, on a la compétence, c'est analyse des résolutions d'une situation, d'un problème bien déterminé. Il va falloir avoir des outils et bien sûr, pas mal de choses qui font que notre travail. Si notre travail, si nous avons une résolution, la situation qui tient, c'est le même.